Yeah. Yeah, cause we just skipped the whole season. And shit was inconvenient. Truth is, I haven't put away my fucking heater. Break out the AC slate, I get it. Salut tout le monde, c'est Koz. Aujourd'hui nous sommes dans Hunger Games. Donc cultivateur comme d'habitude, on va essayer de faire un maximum de kills, un beau carnage. Et sur ce, c'est parti. Donc je vais répondre à ça tout de suite. Beaucoup de personnes me demandent la vidéo avec Poppy. Donc sachez qu'elle arrive. Simplement, attention le rollback. Simplement, je n'ai pas encore upload parce que Poppy et moi souhaitons l'upload en même temps, étant donné que c'est la même vidéo. Pendant qu'elle partit en vacances, donc c'est-à-dire qu'elle uploadera en différé sur sa chaîne. Donc comme j'avais fait pour moi quand j'étais parti en vacances. Donc sur ce, voilà. J'aurais répondu à ça. On va se faire une épée. Oh parfait, la pomme. Oui. On va se faire une épée, tous ces trucs là. Et on va les faire un maximum de kills en restant spawn. J'espère que ça va bien se passer. Parce que ça casse les couilles tous les cheaters. Mais bon, malheureusement on doit faire avec. Et ce qui est chiant, c'est que quand on se stuff pas, on peut pas vaincre un cheater. Ça c'est très emmerdant. Ok. Donc 1, 2, 3. Bah pendant que j'y suis là, pour le coup, je vais me faire du stuff hein, parce qu'au final dans une grotte, donc on va en profiter. Ah putain, je suis stupide. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Donc lui, il va descendre dans le trou, stupide comme il est. On va se faire, je sais pas quoi, je vais récupérer tout le fer qu'il y a. Ça va pas être très long. C'est pas si vaste que ça, j'ai l'impression, quoique. Ouais, si, c'est quand même pas mal, la grotte. Je vais faire le tour, de toute manière, le PVP n'est pas encore activé, donc. Et je vais aller, je vais remonter, faire cuire tout. Je prends un gravier. Ça y est, le PVP est activé. Ouais, donc je me fais un petit peu tout ce qu'il me faut. Là, 7, on va s'en conduite, comme ça, ça sera sûr. Toc. Je vois pas très clair. Ah oui, d'accord, ça c'est du fer. Toc, donc quelqu'un avait dit que je cheatais parce que je voyais clair dans les grottes, absolument pas, j'ai fait un tuto mon coco, donc si tu veux savoir comment on fait, c'est Panodus, c'est simplement dans les options de Minecraft, le gamma, que j'ai changé la valeur, enfin, ma chaise qui grince, vous êtes habitué à force, donc bon, voilà, j'ai changé de micro, enfin j'ai pas gardé le même, hein, parce que simplement tous les commentaires me disaient de pas garder le même micro, et ce que j'ai retenu de cette leçon, c'est que Triton c'est de la merde, donc n'achetez pas Triton, mais vraiment, hein, on dit ouais Triton c'est pas mal, c'est bien réputé, etc. Mais au final, vous l'aurez vu, et même après la vidéo, j'ai essayé encore de configurer, mais la qualité était limite de pire en pire, donc c'est bien dommage. 4 fours pour les gagner du temps, ouais, on va s'en faire 3. Toc, voilà. J'avais pas été voir là-bas, je crois. Ok, je vais prendre. Ce fer là. J'en ai. Ok, donc là je suis full fer. Et une fois que je serai full fer, j'irai faire un maximum de kilos spawn. Ça comme d'habitude. Toc, le zombie. J'aimerais juste terminer mon stuff parce que là pour le coup vu que j'ai commencé. Voilà, nickel. Je sais pas si ça termine ça. Allez, un dernier fer par là et après je pense que j'aurais fait le tour de la mine. Enfin à peu près. Bon voilà. Je termine le filon de fer. Ok, là-bas il y a un creep. Et top, c'est parti, on va remonter. Alors l'araignée, je vais l'éviter, hein. Moi je fais pas d'histoire. Ah non, c'est pas un creep, c'est... Bon, on va terminer aussi ça, comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut. Ok, attendez. Ça sent le vilain. Ah mais...
Ok, attendez, j'avais vu un type, je voulais l'attaquer, mais là je vais faire n'importe quoi. Parce que j'ai plus de vie. Bon là c'est bon, je vais sortir parce que ça y est, j'ai plus de vie à puiser de toute manière, donc bon. Par où on remonte? Je vais remonter la bonne vieille méthode. Juste le temps de prendre un peu de bois et on va aller se faire tout ça. Voilà, nickel. Donc c'est parti, je me fous le fer et on va taper au saucisson spawn parce que là, j'ai pas fait de kill du tout au final. Mais c'est pas grave, juste histoire de trouver de la bouffe déjà ça. Viens là, le, hey, le poulet là. Voilà, merci. Merci monsieur le poulet, ok les vaches. Ok les vaches c'est cool, ça va me faire manger tout de suite. Oh, évidemment. Oh god. Bon ça y est. Un petit peu n'importe quoi parce que derrière je n'ai pas regardé. Et voilà, là on n'a plus qu'à surveiller et ça devrait bien se passer. Toc, toc. Et après, bah là on va compter les kills parce que je vais en faire un maximum. Parce que vu que j'ai gagné un petit peu de temps sur les autres, j'ai perdu du temps au départ à se faire un full fer, mais au final ça va payer. Donc ouais, moi j'aime bien faire cuire en haut, enfin à la surface de la terre le fer. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est mieux. Au moins on sait ce qui se passe et je sais pas, le type va revenir vers le les deux fours, il va fouiller, vous aurez le temps de le frapper. Enfin, c'est mieux quoi. Donc le serveur a réouvert. J'ai vu que ça vous avait plu énormément, étant donné qu'il y a plus de 33 personnes, enfin 33. C'est une moyenne, je dirais 30 personnes par jour. Donc ça me fait méga plaisir, Azelo aussi. Et donc aussi, bah, comme projet, les serveurs Hunger Games, je sais pas si vous en avez déjà... Oui, je vous en ai parlé dans la vidéo du Soigneur Pro. Mais ça, ça va bientôt s'ouvrir aussi. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que forcément, le programmeur, enfin celui qui programme nos plugins du serveur est en vacances, enfin va partir en vacances durant cette période. Donc forcément, ça va être un petit peu plus long, mais voilà, c'était juste pour vous dire que quand même, on va créer des Hunger Games avec Zelo. Donc voilà, je regroupe mes blocs et putain c'est long, j'aurais dû prendre plus de pierres. Oh, c'est quoi, je vais aller traquer l'autre en attendant. Apparemment il est tout droit. Si je reste sur cette ligne, je devrais le trouver. Ok. Donc j'ai juste vu où il était, les sous-terres, donc tant pis. Je vais plutôt retourner au spawn. Bah ça va en fait, parce que je trouve que c'est long le... Oups. Le minage quand on dépasse les 10 minutes, et là je suis à 8 et j'aurais terminé avant. Donc ouais, je vais aller au spawn et on va régler tout ça. Toc. Le jeu. Le mec qui quitte le jeu, c'est des cheaters. Ils se mettent à bugger et ils quittent. Ah. Donc ouais, j'avais pris trop de fer, mais on sait jamais. C'était pour être sûr.
Allez, le gravier, des fois je mets 3 pour pas l'avoir. Ça c'est désagréable. Voilà. Et voilà, donc c'est parti. En fait, non, j'avais pas trop pris, hein, c'était juste nickel. Donc je crois que le spawn est par là. On va plutôt aller par là. Ça fera plus de kills. Ah, ok, ça pointe quelqu'un d'autre. Attendez. Plutôt aller vers lui. Normalement pas très loin, étant donné que... Étant donné que bah, je pointais l'autre, il était pas très loin. Ok, si ça c'est une crevasse, elle est dedans. Ah voilà, notre petite team de deux là. Alors attendez, comment ça se passait là? Alors je pourrais aller au coffre, ouais non, ce serait stupide. Ok, donc ça prenait toujours votre temps pour que tout soit bien aussi un problème pour monter parce que généralement on a des surprises. Donc attendez, attendez, comment est-ce que... Ok, terroriste. C'est des cheaters. Pas grave, je vais les dominer quand même parce que ça me saoule ces putains de cheaters de merde. Voilà. Donc KSA, alors je suis pro, je suis prêt à parier, hein. Non même pas, mais KSA c'est cheater et KSA je ne dirais pas ce que ça signifie, mais c'est des putains de cheaters qui pourrissent le jeu, et c'est fort dommage, mais au moins je les ai abattus, ces deux putains de KSA. Bon allez, sur ce c'est parti, on retourne au spawn. Donc ouais, ceux qui ont des noms chum, XX, Dabouche, tous ces trucs là, c'est des cheaters, surtout quand il y a écrit Kaisa, alors ça c'est cheater à tous les coups. Ok. Putain. Et là. Tiens, olé là, Mexicano, si, si, Mexica, Mexicano. Cause. Que se croit pas le Mexicain, le Mexicain ne se retourne pas, le Mexicain est déterminé, le Mexicain court, le Mexicain est abattu, le Mexicain. On se vide son inventaire. Je vais peut-être avoir du fil à retordre parce que là j'ai vu que... Enfin tout le monde a eu le coffre quoi. Donc là ouais ça c'est... Ah non même pas. Italiano. Italia. Lianiano. Italiano. Ah oui, Italianiano. Ok. Oh, c'est spécial comme nom, dites-moi. Ok, donc il n'y a pas encore la table, la table enchante. Donc ouais, c'est Kizix dont je parlais tout à l'heure. C'est celui-là qui était sous terre. Est-ce qu'il y a de la bouffe? Il me reste de la bouffe quand même. Je pense qu'on n'est pas très loin du spawn. Enfin, du moins plus très loin. Ok. Putain, les squelettes, barrez-vous les squelettons, je vous en prie. Un petit peu de tenue, jeune squeletton. Putain. Ok, on va se charger de lui. Je sais pas ce qu'il vaut, on verra bien. Oula oula, il y a du monde à la ferme quand même. Merci.
On va aller enchaîner les autres, parce que je sais qu'il y en a d'autres. Ok, ils sont pas mal loin quand même, je suppose qu'il suffit de suivre le chemin. Même pas. C'est fort dommage. C'est pas grave, on va y aller quand même. Ok, donc on va faire attention, histoire de pas avoir de surprise. Ok, c'est bon. Des fois le PVP restait ouf quand même avec leur anti-cheat, enfin bref. Est-ce qu'il y a... Ok. La table d'enchantement a spawné. Là, je vais pas hésiter à y aller. Je vais pas répondre. Attendez, c'est celui qui m'a demandé, c'est... Ok. Ok. Et c'est quoi comme kit barbare? Ok. C'est un mauvais, ça. Les mecs en barbare, ils sont mauvais. Bon, reste plus que 6 joueurs. Ah oui. Ah ouais, pourquoi il est encore là lui? C'est marrant. Je pensais pourtant l'avoir tué. Ouais, la table d'enchant, on va laisser tomber, hein. Après tout. Ok, petit campeur. Petite campousse de l'extrême. Même pas. Même pas. Ok, alors là ça s'enjaille, il est enchanté et tout, easy peasy. Alors là, attendez. Ça va pas être ta... Oh oh, tâche facile. S'ils sont quand même bien enchantés. J'ai un arc. J'ai pas d'arc. Ok, 12 secondes. 12 secondes, c'est pas long. Faut être sûr de soi, donc là, j'ai pu... Ok, j'ai pu... Aïe. Bon, on va faire attention quand même. Ce serait stupide. Oh là, par contre, il est plus que tout seul. Ouais, non, il est plus tout seul. Enfin, il est plus que tout seul. Ça se dit pas trop, trop, mais... Il me l'a mise. Et alors, de toute manière, il perd plus de temps à me la mettre que... Ah, il est tout seul, là. Faut vraiment en profiter. Hein. Tire qu'à l'arc, ce type. Bon, faut pas non plus trop s'éloigner. Alors là, ça serait fort dommage de le louper. Ok, on va s'occuper de lui. Ok, un de moins. Donc là, c'est le moment où il faut partir. Faut pas jouer le jeune fifou non expérimenté.
Ah merde, je l'ai pas mangé. Ah merde, comment je vais faire là? Là, ça va être plus chaud que prévu. Ça va. Et là, je vais l'abattre, tout simplement. Ok, ça je le savais. Enfin, je le savais. À vrai dire, je ne savais pas, mais. Ah, c'est fort dommage que j'ai plus de lave. J'ai vraiment plus de lave, c'est dommage. Ouais, non, on va se calmer là, monsieur. Là. Il faut se calmer là. Votre popo, il me fait trop. Il fait trop du mal. Là. Ok, attendez, ça c'est nickel. C'est ce qu'il me faut. Oh. Une petite tapette en action. Attention, mesdames, messieurs. Il s'est resplashé la force. Ouais, il déconne pas, lui. Là, faut courir là. Je savais qu'il allait tenter l'arc. On va attendre que ces splashes de popo cessent parce que de toute manière, c'est pas infini et au final. Merde. Ok. Au moins ça, j'avais une popo de force, tant pis. Hein. On l'a loupé. Il a loupé, je sais pas trop ce qu'il a voulu me mettre. Il est mauvais en plus, il est mauvais, mais. Voilà. Il a fait une grave erreur d'utiliser sa underperm. Pas un mauvais combat par contre. Sur ce, attendez, ça c'est tranchant. Ouais, nickel. Bon bah on continue. Hein. Donc bah c'est le dernier, nickel. Et après, ce Hunger Games sera terminé. Donc ouais, j'ai remis la capo F parce que j'avais plus à l'autre Hunger Games. J'avais retiré au petit fine. Donc j'ai entendu parler aussi de. Des caps, comment ça s'appelle, Minecon, je crois. La moto qui passe, vous en préoccupez pas. Ouais, donc Minecon, qui serait des caps, vraiment, je trouve sympa, vraiment sympa. Mais je ne sais pas comment on fait pour obtenir un code Minecon, peut-être qu'on ne peut pas, tout simplement. Si on peut, bah, n'hésitez pas à me le dire, ce serait génial. Oula, oula, alors là, là, oula, 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 calmons-nous, calmons-nous, c'est un cowboy. Oh, je suis con. Ok. Ok, on va s'éloigner du spawn parce que j'aimerais pas me fail avec un seul lave ou je ne sais quoi. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Ok. Oh là là, la connexion, frère. Bon, ça c'est pourri comme
combat final, mais là, la connexion, je sais pas s'il a fait quoi. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que cet Hunger Games vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Sur ce, je vous dis ciao, portez-vous bien, à la prochaine, c'était Koz.